Bon, je me souviens déjà plus de ce qu'il faut faire pour elle. On va dire que c'est un tour de chauffe, hein. C'est loin. Allez, trace-toi de te relever. Comment ça se fait qu'elle bouge comme ça en l'air? Il m'avait pas semblé qu'elle faisait ça la dernière fois. Enfin, j'avais pas trop de mal à esquiver ce truc. Par contre, c'est la première fois qu'elle me... Faut que j'arrive à passer la première phase sans qu'elle me... sans qu'elle m'éclate une vie en fait. Ah putain, je me suis fait avoir. Dommage, là j'étais en train de bien niquer sa barre d'endurance là. encore une fois. Changer de boss c'est bien pour pas trop enrager, mais du coup on perd tous les automatismes. Parce que son coup imparable, là, je l'esquivais assez facilement avant-hier. Et là j'y arrive carrément pas. Hein. Putain, saute, merde. Hein? Merde. D'ailleurs j'avais pas les illusions. Je pouvais attaquer de base quoi. Putain. Oups. Et bah voilà, putain, je savais qu'avec du recul je la buterais celle-là. Alors le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée. Alors un cristal de couleur rose qui est créé quand quelqu'un brise sa connexion avec l'héritier divin. Offert assez de potentiel de résurrection pour une résurrection supplémentaire. Ah ça c'est pas mal ça. 私のため園田は戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。